Saint-Esprit, viens, viens, oh, viens. Saint-Esprit, viens, viens, oh, viens. Saint-Esprit, viens, oh, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens, pour nous inonder, oh, viens, oh, viens, pour nous remplir, oh, viens, ne t'occupe pas de ma voix. Si c'est la voix là, tu vas pas être content, parce que ma voix là, c'est pas la voix des chanteurs, des grands chanteurs. C'est juste que j'arrive à composer, j'arrive à avoir des paroles. Après, maintenant, c'est possible de rentrer dans un studio, puis arranger, puis de chanter. Hein. Donc, peut-être que ça arrivera un jour. Mais écoute juste les paroles avant que je parle, pendant que je partage. Et toi aussi, continue à partager chez toi. Cette année, c'est l'année de l'excellence, de l'accomplissement. L'année où le prophétique va être brak sakamato prolekita là-bas sunta là-bas. Saint-Esprit, viens, viens, oh, viens. Saint-Esprit, viens, oh, viens, oh, viens. Pour nous remplir, oh, viens, oh, viens. Et Saint-Esprit là, viens, oh, viens, pour nous inonder, oh, viens, oh, viens. Dès que tu te connectes, tu partages. Même si tu étais au lit, parce qu'il y a des gens, ils ont fait la fête hier jusqu'à actuellement, ils sont au lit. Tu partages quand même. Si tu es en train de regarder même quelque chose à la télé, tu partages quand même. Quel que soit ce que tu es en train de faire, tu partages. Partage et partage. Partage et partage. Voilà. Partage, 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 partage. N'arrête pas de partager. Ok, on va couper le son parce que c'est ça. Pendant la fin de l'année, début d'année comme ça, les messages se multiplient. Vraiment, si les bonnes années que vous envoyez là, on s'envoie là, si c'était l'argent, on allait s'enrichir. Hein. Je profite pour dire, je suis content pour tous ceux qui m'envoient des messages de bonne année, tous ceux qui m'envoient depuis hier, depuis avant, depuis hier, depuis, je sais pas, Noël a commencé hier, jusqu'à aujourd'hui, bonne année, bonne année, bonne année. Oh, je suis très content. Je suis content. Mais s'il vous plaît, je suis serviteur de Dieu. Et cette année, c'est une année où le bishop veut sortir devant les écrans, les téléphones, pour faire les petits directs et ceci. C'est l'année du terrain. C'est l'année de l'accomplissement et le prophétique. C'est l'année où je vois des malades se lever et puis rentrer chez eux en paix. C'est l'année où je vois le paralytique jeter ses béquilles, marcher comme tout le monde. L'aveugle, voir. C'est l'année où je vois l'onction de Dieu se manifester comme... C'est-à-dire que les gens, au lieu de critiquer, ils se taisent parce qu'ils voient la manifestation de la puissance de Dieu. C'est l'année où je vois le fou guéri. C'est l'année où je vois la pauvre devenir riche, la stérile enfantée. C'est l'année de Marc chapitre 16. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. C'est l'année de « À mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. » C'est l'année de « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. » Si Dieu m'a accordé encore cette année, j'ai dit à Dieu, j'ai passé plusieurs étapes. Et il y a quelque temps, je suis rentré dans un mouvement de direct, de clash, de révélation prophétique, de ceci, politique, de ceci, de cela. Tu m'as accordé encore cette année
Alors qu'ils ont voulu me tuer en 2021, 2022, 2023, tu m'as accordé cette année. C'est l'année que je dédie pour ta gloire. Donc, vous m'envoyez des messages de bonne année. Gloire à Dieu. Ça, c'est par amour, c'est parce que vous pensez à moi. Mais s'il vous plaît, tous ceux qui peuvent soutenir pour un programme, pour une veillée, pour une croisade, pour un groupe musical, pour une sono, pour un terrain, pour qu'on aille se mettre pour prêcher dans une ville, dans un pays, quel que soit le lieu où Dieu te met à cœur de faire quelque chose pour que l'œuvre de Dieu avance cette année, tu es le bienvenu. Donc, vos offrandes aussi sont les bienvenues. Ceux qui peuvent soutenir pour que quelque chose se passe. Cette année-là, s'asseoir et puis parler là. Pratique. Ça dit, c'est du fire. Tu vois la manifestation sur place, en direct. C'est ça. Donc, que Dieu bénisse tous ceux déjà qui vont soutenir. Moi, il y a beaucoup de gens qui appellent. Il y a des gens qui ont appelé pour le terrain, pour offrir des terrains. Il y a des gens qui ont appelé pour qui fait des promesses. Bon, les promesses, tant qu'elles ne sont pas réalisées, on est un peu comme Thomas, on attend la réalisation. Il y a beaucoup de gens qui ont à cœur de faire quelque chose, qui attendent, qui promettent et qui se patientent aussi, ça arrive. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2024. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec dit Atia Normal. Aïe! Merci de m'avoir supporté. Masha Karaba. Moi-même, je ne me comprends pas. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment des gens font pour me supporter. Mais vous m'avez supporté. Parce que je suis où j'étais comme le caméléon, comme l'arc-en-ciel. On ne savait jamais quelle couleur j'allais faire sortir. Ça arrive, je viens, clash. Ça arrive, je viens, bombardement. Ça arrive, je viens, prophétique. Ça arrive, je viens, révélation, enseignement. J'ai tout fait. Vous avez été là. Vous m'avez soutenu. On m'a clashé, on m'a insulté, on a eu plein de choses. Beaucoup de gens sont restés accrochés à moi. Ma page Facebook a été plusieurs fois mise en restreint. Le nombre de vues a été baissé à plusieurs fois. Pour que, en fait, je n'ai plus de vues. Les gens se sont déchaînés avec leur agent, avec leur groupe, avec tout. De toutes parts, les gens ont fait tout pour que je n'ai plus de visibilité. Mais la plupart d'entre vous avaient été toujours là, avaient cherché comment écouter ce homme. On m'a réduit des milliers de vues, on m'a réduit à 30 vues, à 40 vues, à 20 vues, à 50 vues. Comme des fois, je me demandais si Facebook même était contre moi. Mais j'ai tout accepté. J'ai failli quitter Facebook plusieurs fois pour me concentrer sur YouTube ou d'autres choses. J'ai dit non. Dans la vie, il faut savoir accepter les choses. Chaque chose a ses conséquences. Tu es là, tu as parlé, il y a des conséquences. Accepte et va-t'en. J'ai accepté. Nous sommes en 2024. Sincèrement, à la veille d'une année, je ne sais pas comme vous et moi, mais depuis un moment, faire la fête, sauter, danser, ça ne me dit rien. Prier et réfléchir à ce que je vais faire l'année prochaine et remercier Dieu pour la vie qu'il m'accorde encore, c'est la chose la plus importante. J'ai compris une chose dans ce monde, c'est qu'en fait, quel que soit tout ce qu'on a, il ne faut jamais, jamais, jamais être orgueilleux. Quand il y a beaucoup d'argent, ne crois pas que c'est parce que Dieu t'aime plus que tout le monde. Quand ton couple va bien, ne crois pas que vous êtes meilleur. Quand tes enfants sont intelligents, ne crois pas que c'est parce que tu es la personne la plus intelligente de la terre. Non. Tout ce que Dieu nous donne, c'est la grâce. Et le souffle de vie ne tient qu'à un petit fil. C'est comme un petit fil. Ça se coupe net, c'est fini. Des fois, on se demande, mais pourquoi on construit des maisons? Pourquoi on a des villas? Pourquoi on a des terrains? Pourquoi on a des voitures? Pourquoi on a des projets? Parce que quand on s'en va, tout ça, ça reste. Ce sont d'autres personnes qui en profitent. Mais on est encore sur la terre. Il faut quand même réaliser quelque chose avant de partir.
Et nous sommes toujours là en train de lutter du matin au soir. Mais le plus merveilleux, c'est le souffle de vie que Dieu nous donne. Quand je me regarde en 2024, à mon anniversaire prochain, si Dieu me l'accorde, j'aurai 53 ans. Et je regarde mon visage, malgré tous les combats que je mène, tous les efforts que je fais, je dis 53 ans, c'est moi qui suis assis là. Je suis fatigué, mais quand tu regardes ce visage, on dirait pas un monsieur de 53 ans. Je dis, mais c'est une grâce. C'est vraiment une grâce que Dieu me fait. C'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que toutes les richesses de ce monde. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à moi. Notre union de prière, la confiance que vous avez mise en moi. Je ne m'aimerai pas trahir cette confiance en 2024. J'aimerais que cette confiance soit encore, elle s'élargisse encore plus. J'aimerais qu'en 2024, vous compreniez que j'ai fait des erreurs avant. En 2024, vous comprenez que je vous avais déçu peut-être avant. En 2024, vous comprenez que j'étais peut-être incompréhensible. Mais qu'en 2024, vous vous dites, je remercie Dieu de l'avoir connu. Qu'en 2024, vous dites, je savais que cet homme était un oint de Dieu. Qu'en 2024, vous dites, waouh, comment le Seigneur utilise ce monsieur. Et ça, c'est mon but pour 2024. Je n'ai plus grand chose à dire sur des débats politiques, sur la vie de certaines personnes, sur comment des choses se passent. Je pense qu'il y a trop de gens pour gérer ce genre de choses, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est abondante, il y a peu d'ouvriers. Et en étant serviteur de Dieu, je veux me consacrer sur la moisson, l'œuvre de mon Père. 2024, voici mon premier direct de proclamation. Mon premier direct de 2024, le 1er janvier 2024. Avant tout, avant de proclamer, je voulais remercier Dieu pour la vie de mon jeune frère, le prophète Élie Pada. J'ai pris ce fardeau sur moi avant la fin de l'année. Je sentais que les gens voulaient faire du mal à ce jeune frère. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a juste prophétisé. Nous autres, souvent, on a même été plus violents. Peut-être même qu'on a injurié deux fois. On a attaqué. On a dit des choses, peut-être même qui ont choqué des gens. Mais lui, il n'a fait que prophétiser. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager ce direct? Continuez à le partager. Il n'a fait que prophétiser. Il n'a fait que révéler ce que tu lui as montré. En quoi est-ce qu'il a fait du mal? Je voyais le piège tendu autour de ce jeune frère. Je me suis porté garant devant le Seigneur, sans son avis, de parler à sa faveur. Je remercie Dieu de ce que le plan de l'ennemi a été déjoué. Je m'attendais à ça. Je le voyais. Je ne voulais pas donner des détails. Je ne voulais pas dire publiquement aux gens, parce que le prophète Élie Pada avait un programme quand même à sauver. Son programme de fin d'année, en tant que grand frère, je ne peux pas venir m'asseoir pour dire, oh, le prophète Élie Pada ne sera pas à son programme. C'est, vous croyez qu'il va être au programme, vous ne le verrez pas. Vous n'allez pas pouvoir mettre la main sur lui. Il ne sera pas à son programme. Ça sera le manque de sagesse. C'est comme si je suis venu gâter l'organisation de son programme. Or, sa sortie qu'il a eue, c'était une manière d'interpeller ses enfants spirituels. C'était une manière d'interpeller ceux qui croient en lui pour leur dire, venez au programme. Même si vous ne me voyez pas physiquement, l'Esprit de Dieu sera là. Même si vous ne me voyez pas physiquement, la présence de Dieu sera là. Dieu va se glorifier. Mais il ne pouvait pas venir s'asseoir pour dire aux gens, je ne serai pas au programme. Mais venez au programme.
personne n'allait venir. Ceux qui croient en lui, nous savons qu'aujourd'hui, les gens, quand ils ont un homme de Dieu, c'est lui, s'il n'est pas là. Donc, la vidéo qui est sortie pour dire, je serai là, effectivement, il a été là. Il a été là en esprit. Il a été là selon toute l'organisation qu'il a mis sur place. Il a été là selon les personnes pour qui il a prié, pour dire, je prie pour toi, que l'onction soit sur toi. Voilà comment tu vas travailler. Voilà ceci. Il a été là parce qu'il a délégué. Il a été là parce que son esprit était présent. Il a été là parce qu'il était en communication téléphonique et spirituelle avec ceux qu'il a mis là. Son physique n'était pas là, mais sa présence spirituelle était là. Mais ça, il ne pouvait pas venir s'asseoir avant le programme pour dire ça. Mais moi, je le savais. Je le savais. Et donc, j'ai fait un direct où j'ai déjoué les choses. J'ai déjoué un peu les choses parce que je ne vais pas venir m'asseoir pour gâcher le programme d'un petit frère. Oh, le bishop a dit qu'il ne sera pas là. Donc, c'est pas la peine qu'on aille. Et ça, c'est comme si j'ai déposé quelque chose sur ma conscience. Dieu merci. Son programme a eu lieu. Dieu merci. Ses enfants étaient là. Ceux qui croient en son ministère étaient là. Dieu merci. Il a déjoué le plan de ses ennemis. Parce que les gens avaient prévu vraiment de mettre la main sur lui. 2024 commence. Et 2024, là, c'est le moment où les gens commencent à préparer 2025. 2024, ça va être bousculé. Hein? 2024, là, les gens vont commencer à battre capaille partout. Et pourquoi une bouche va être là pour les déranger? Donc, les gens voulaient mettre vraiment la main sur lui. Mais, moi, je sais, spirituellement, Dieu m'avait déjà convaincu. Depuis mes premières sorties pour ce jeune frère, qu'il avait compris le message que lui-même Dieu lui avait déjà dit aussi. Et le Seigneur m'a montré un jour où il n'était pas là. Et aujourd'hui, les gens peuvent aller chez lui. Il n'est pas assis chez lui à la maison. Mais il a un homme de Dieu à plusieurs chez lui. Hein. C'est pas parce que tu ne m'as pas vu, si j'habite à Yopougon, tu ne m'as pas vu à Yopougon, que je ne suis pas en Afrique. C'est pas parce que tu ne m'as pas vu à Abidjan. Je peux être à Abidjan, je peux être ivoirien, puis avoir aussi une maison dans un autre pays. Donc, il est chez lui à la maison. Eh bien, voilà, il est chez lui. Mais Dieu lui a parlé. Pour une fois, je dis Dieu merci. Ils n'ont pas pu, vous n'avez pas pu mettre la main sur un prophète de Dieu. Pour rien. Parce que en ce qui concerne le prophète, le pasteur David Aimé, je défends pas le pasteur David Aimé, il a sa manière de parler, il a dit des choses crues, il a dit ça, je reviens pas là-dessus. Parce que chacun sa nature. Mais l'arrestation du pasteur David Aimé là, s'il y a des gens qui vous disent qu'il n'y a pas de pasteur derrière, ils mentent. Je suis déçu de beaucoup de pasteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs. On n'aurait pas arrêté le pasteur David Aimé s'il n'y avait pas de pasteur gros bonnet. Les gens ont dit le nom d'un seul, mais il y a un autre qui l'a attaqué il n'y a pas longtemps. Il y a d'autres qui l'ont attaqué. Il y a des chants. Les gens se sont cachés derrière. Ils ont vu des autorités là qu'ils connaissent. Ils ont dit, arrêtez-lui là. Ce sont des pasteurs qui ont joué le rôle de Judas. C'est eux qui ont vendu leurs frères. C'est eux qui ont dit, non, qu'à l'arrêter. Je vous dis ça aujourd'hui. Écrivez ça, mettez-la. Ce sont des pasteurs. Ce sont pas les autorités, la police là qui s'est levée comme ça. Hein. C'est pas parce qu'il a parlé des policiers, c'est faux. Ce sont des pasteurs qui en avaient marre, qui les attaquent, qui parlent d'eux. Et quand il est rentré dans l'affaire des pays, affaire de ceci, de franc-maçon, de tout ça, il a commencé à insulter les gens. Ils sont allés derrière pour dire, attrapez-le, mettez-le là-bas. Mais faut pas que notre nom sorte. Et pendant que je parle, je vois l'argent qui est sorti dans l'histoire. Ces pasteurs ont pris les offrandes des fidèles, l'argent qu'ils ont, ce qu'on leur donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils ont pris l'argent. Ils ont donné à des païens pour dire, allez-y attraper,
un frère, même s'il est dans l'erreur, pourquoi ils ne l'ont pas appelé en tant que pasteur, tous ces pasteurs-là? Ils n'ont pas fait genre un comité, un groupe, aller le prendre, quelque part pour lui faire asseoir, pour dire, frère, tu commences à aller loin, arrête tes bêtises. Entre eux, ils vont crier, crier, parler, parler, dire ce qu'ils veulent, mais ça s'arrête là. La discussion s'arrête. Mais ce sont des pasteurs, je le dis haut et fort, sur le 1er janvier 2024 aujourd'hui. J'ai dit, le prophétique de 2024 là, ne jouez pas avec. Parce que je vais scanner, je vais disséquer, je vais ouvrir les yeux des gens à distance. C'est pas faire de politique tout ça, hein, mais le prophétique du tac ou tac, guérison, restauration et libération, 2024. La puissance de Dieu m'attendait au rendez-vous. Et je suis debout, hein. 2024. Vous voyez, ça fait mal. De la manière dont Judas a vendu Jésus. Le pasteur David, même entendre seulement le mot pasteur, ces mêmes pasteurs qui ont protégé, ces mêmes pasteurs qui ont protégé un pasteur dans l'église duquel on a égorgé un chanteur. Un pasteur dans l'église duquel il y a le corps d'un chant qui a été dispersé. Ceux qui se sont mis devant pour dire non, ne le touchez pas, laissez-le. C'est ces mêmes-là qui se mettent derrière. Et puis Dieu me dit qu'aujourd'hui, là, quand on casse une église en Côte d'Ivoire, derrière, il y a des pasteurs qui ont donné leur accord. Je suis en train de vous parler. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont dans la fédération de ceci, fédération de cela, regroupement des pasteurs de ceci, je suis secrétaire de cela, je suis président de telle fédération. Il y a une jalousie entre les pasteurs, une jalousie, une hypocrisie, une méchanceté entre les pasteurs en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc quand tu es là, ton église est là, il n'y a pas de problème, bien qu'on vient la casser, il y a quelqu'un derrière. Quand tu vois qu'il y a des choses qui commencent à se passer, c'est que tu commences à déranger un autre. Tu es dans le quartier avec un pasteur, une autre église. Ton église commence à prendre de l'ampleur. Il a peur que ses fidèles aillent chez toi. Il commence à t'empiéter. S'il a des connaissances, des trucs, c'est des pierres. Et c'est ça qui existe. Aujourd'hui, concernant l'arrestation du pasteur David, mettez des cœurs sur ce direct pour que je sache que vous êtes là. Dieu me dit clairement, et je le confirme, et je réinsiste, et je dis, ce ne sont pas les policiers qui se sont levés tout seuls pour venir attraper le pasteur. Il y a des pasteurs derrière. Pendant que je parle, leur bouche est dans ma bouche. Leur nom est dans ma bouche, c'est parce que je ne veux pas, je commence l'année, je ne veux pas rentrer dans les choses. Leur nom. Ils ont décidé en Côte d'Ivoire, des pasteurs se sont rassemblés avec le gouvernement pour dire, on leur a dit, vous devenez maintenant nos yeux, notre bouche. On va traquer tous les prophètes ou les pasteurs qui osent s'asseoir et puis dire « Dieu m'a dit sur la Côte d'Ivoire si ce n'est pas en la faveur du président. » Suivez-moi. Il y a d'autres qu'on va attraper dans les coulisses. Ils ne sont pas célèbres. On ne va pas entendre parler d'eux. Si un petit prophète se met là et prophétise sur les réseaux sociaux, si demain on ne le voit pas, on ne va pas se demander, mais le frère qui avait prophétisé là, il est où? Parce que lui, il n'est pas célèbre. Mais celui qui est célèbre, que les gens connaissent déjà, ils vont essayer de créer des situations, de créer un coup, de faire quelque chose pour que ça ressemble à ce que la personne a fait quelque chose qui n'est pas bon avant qu'on l'arrête. Et ils ont commencé cela. Ils vont rentrer aussi dans des églises de certains pasteurs qui ne sont pas prophètes, mais qui ne sont pas en accord avec eux. Qui souvent, leur caractère, leur comportement, leur manière de prêcher ne les arrange pas. Parce que pour eux, ce sont des gens qui sont comme opposés à eux et tout. Donc, il y a un groupe de bishops, d'archibishops, de pasteurs, de prophètes ou de je ne sais pas quoi, qui sont devenus comme les pharisiens et les scribes au temps de Jésus, qui mangeaient avec Hérode, qui mangeaient avec Ponce Pilate, qui sont là, qui sont engraissés. Ce ne sont plus des vrais serviteurs de Dieu. Ils sont rentrés dans des loges. Ils sont rentrés dans des loges. Ils sont rentrés dans des initiations. Ils ont pris de l'argent. Ils ont fait des pactes. Des choses qu'ils ne peuvent pas briser comme ça. Donc, ils sont au service de certaines personnes
pour détruire leurs frères. Mais ils vont maintenir la chose, faire croire qu'ils sont toujours serviteurs de Dieu. Ils vont faire croire qu'ils sont des grands serviteurs. Mais laissez-moi vous dire ce que Dieu me dit pour vous. Vous allez commencer à tomber comme des papayes mortes, des papayes pourries. Ce n'est pas un homme qui va vous attaquer. Ce n'est plus un homme qui va donner des révélations sur vous. Mais Dieu lui-même va commencer à vous frapper un à un. Quand je commence à donner cette révélation, je vois comme un papayer pourri et des papayes qui sont vraiment pourris. Je vois des bêtes dans les papayes. Le Seigneur dit que lui-même va commencer à semer de la gangrène au milieu de vous. Dieu lui-même va commencer à vous châtier. Dieu lui-même, vous qui avez vendu la gloire de Dieu, vous qui avez vendu sa présence, vous qui avez vendu la grâce qu'il vous a donnée de le servir, qui avez fait des pactes, qui êtes devenus des agents du diable, des pharisiens, des scribes, des tombeaux blanchis, vous qui aujourd'hui livrez vos frères à cause de certaines prophéties des révélations, c'est ceux-là qui ont formé avec les autorités un coup contre Elipada. Vous voulez que je vous parle? Depuis un moment, la maison d'Elipada est surveillée et était surveillée et c'est surveillée toujours. Depuis un moment, on surveille l'église d'Elipada. Je suis en train de prophétiser, de révéler. Je ne suis pas à Abidjan, mais je parle. J'ai dit cette année-là, c'est comme ça va se passer. Depuis un moment, ils ont mis des gens, même des faux fidèles, sont rentrés dans l'église d'Elipada pour regarder ce qui se passe et pour pouvoir leur communiquer s'il vient, quand il ne vient pas et tout ça. On surveille sa maison. On surveille l'entrée de son église. Et les gens espionnent. Il y a des gens qui se font passer pour des chrétiens qui sont dans l'église, qui cherchent à savoir le prophète est où, le prophète est ci, le prophète est... Depuis un moment, ils ont voulu mettre la main sur lui avant la fin de l'année. Mais Dieu a révélé ça à son prophète. Et quand Dieu a révélé ça au prophète, le prophète a quitté son domicile. Le prophète a quitté son domicile. Le prophète, Dieu lui a dit, prends ta petite famille. Il a pris sa petite famille. Dieu lui a dit, va dans tel endroit. Il est parti dans l'endroit. Dieu dit, parle maintenant à partir de cet endroit. Et fais-le toujours croire que tu es là où il veut que tu sois. Mais parle à partir de cet endroit. Et reste ici avec ta famille. Ils ne pourront pas t'atteindre. Du coup, ils sont en train de se demander, le prophète est où? Le prophète est où? Il y a beaucoup de personnes qui sont proches du prophète lui-même, qui ne savent pas réellement où il est. Parce que Dieu lui a dit de ne pas divulguer, de ne pas parler à tout le monde. Prends ta petite famille, mets-toi dans tel lieu. Actuellement, je suis en train de prophétiser, mon cœur devient lourd. Je suis en train de parler, mon cœur devient lourd. J'ai vu la souffrance du prophète Élie pendant cette fin d'année. J'ai vu comment il avait mal au cœur de ne pas pouvoir être devant son peuple pour libérer l'onction que Dieu lui a donnée. Je le vois même en train de pleurer devant le Seigneur. Seigneur, pourquoi? Ces gens m'ont fait confiance. Je suis là. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Reste là où tu es. Parce qu'ils te laisseront prêcher. Ils te laisseront faire les actions. Ils te laisseront faire tout ce que tu as à faire. Mais quand tu vas finir, que tu vas rentrer chez toi, ils ont déjà préparé des gens pour te suivre. Tu as trop d'espions déjà autour de toi. Ils vont te suivre doucement. Et dans l'endroit où ils savent que c'est ni vu ni connu, ils mettront la main sur toi. Et là, ils te mettront quelque part où tu ne pourras plus parler. Tu ne pourras plus rien dire. Et lorsque Dieu dit ça au prophète, le prophète est entre désobéir Dieu, entre désobéir Dieu, pour montrer aux gens qu'il n'a pas peur, ou entre écouter Dieu. Donc, il a passé un réveillon. Je parle, on dirait que j'étais à lui là-bas. Je viens de me réveiller, il n'y a même pas longtemps. Il a passé un réveillon
pas dans le chagrin, mais avec un fardeau. S'il m'entend même où il est, s'il entend, il va se dire, waouh, vraiment, le bishop Atia Norma, là, c'est vraiment un prophète. Parce que moi, je ne suis pas prophète, hein. Je suis prophète des rois, je suis prophète des nations, et je suis le prophète des prophètes. Dieu me donne les pensées des cœurs, Dieu me donne les pensées cachées, Dieu me donne ce que les gens n'ont pas encore vu, Dieu me fait voir ça. Ce qui est caché là, Dieu va prendre et puis m'envoie ça. Et comme personne ne peut parler de lui, comme je suis en train de parler, c'est moi Dieu choisi dans certaines circonstances pour dire parle, parce que personne ne peut dire ce que toi tu es en train de dire. C'est pas parce que je suis supérieur à lui. Mais c'est comme si ce qu'il devrait s'asseoir pour dire, il n'est pas là pour dire, Dieu me dit parle pour lui. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir ça. Voici ma Bible. On dit qu'on ne jure pas, mais ce matin, je jure. Je n'ai pas reçu d'appel du prophète Elipada. Je ne sais même pas où il est précisément. J'ai une idée, selon les révélations que Dieu m'a données. Vous allez me demander, il est en Côte d'Ivoire, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Moi, je sais, mais je ne peux pas le dire parce que Dieu ne me dit pas de le dire. Je ne donne pas de piste à quelqu'un. Mais, voilà ma main. Il ne m'a pas appelé. Personne ne m'a appelé. Je sais que quelqu'un a confirmé ce que j'ai reçu pour dire qu'il n'est pas au pays ou quoi, il est au pays. Ça, c'est le truc. Mais là, ce que j'ai dit, c'est sous inspiration du Saint-Esprit. Voilà ma Bible. On est 1er janvier 2024. Je suis reçu cette Bible. Si c'est quelqu'un qui m'a dit ça, si c'est un prophète qui m'a appelé pour me dire, dis ces choses, et puis soit il a dit, que le Seigneur mérite son onction. Qu'il mérite son onction et qu'il rend très difficile ma vie. Mais si c'est moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle, et que Dieu est en train de me révéler que l'onction a fui dans ma vie, que cette année soit une année de prospérité, de richesse, que la gloire de Dieu m'envahisse. Voilà la Bible. J'ai juré dessus. On dit, on ne joue pas, non. Je viens de le faire. Ce n'est pas le prophète Elipada qui m'a appelé ou quoi que ce soit. Je parle sous la direction de l'Esprit. C'est comme il est là, et puis il se dit, de la manière que deux fois quelqu'un est décédé, et puis la personne qui est décédée là, la personne est décédée, et puis les gens disent, oh, et puis Dieu me met à cœur pour dire, oh, lui là, on l'a empoisonné. Va dire qu'on l'a empoisonné. Et puis personne ne peut le dire, et puis je viens de dire, c'est un peu la même chose. Ce qui a été passé à la mort de Didier Arafat, de la femme de un certain Makassa Marassi, ce qui s'est passé, deux fois c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui décide. Quand ça vient, ça vient. Peut-être que le prophète a prié pour dire, Seigneur, fais de sorte qu'un de tes serviteurs parle pour moi, ou bien parle à Bishop pour qu'il parle, parce que c'est lui qui a le courage de dire, c'était, je ne sais pas. Mais matin, je me suis levé à 11h15, j'ai bu un café, je suis venu m'asseoir. J'ai pris ma douche, je suis venu m'asseoir. Je suis en train de parler. J'ai des messages de bonne année qui ont rempli mon téléphone, j'ai même pas encore répondu. Mais je suis venu vous parler. Ceux qui suivent le prophète Elipada ne croyaient pas qu'il s'est caché, il vous a trahi, il a dit il va être là, il n'a pas été là, c'est un menteur, c'est faux. Le prophète Elipada a voulu être là jusqu'à la dernière heure. Il a lutté avec Dieu pour être à ce programme. C'est moi qui parle, Dieu me parle, Dieu me dit de vous dire ça. Il a lutté, il a voulu, il a dit au Seigneur, même si c'est pour sacrifier sa vie, là, il ne veut pas que les gens le prennent pour n'importe qui. Il veut venir, le Seigneur lui a dit, tu ne bouges pas. Il t'attend. Quand tu finis le programme, ils vont te laisser faire ton programme, mais quand tu finis, ils vont te suivre pour voir où tu t'en vas. Et ils vont t'arrêter quelque part, ils vont te prendre quelque part. Et ils feront de sorte que ça soit discret, que personne ne puisse en parler. Et tu seras quelque part où les gens ne te verront plus, les gens ne t'entendront plus pendant un moment. Reste là où tu es. Reste avec ta famille là où tu es. Prends ta
ta famille. Reste là où tu es. Et ne dis à personne là où tu es. C'est pourquoi vous ne l'avez pas vu. C'est pourquoi vous ne l'avez pas vu. Alors il s'est mis à prier. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à dire au Seigneur, déverse l'onction sur eux. C'est comme un père qui est loin de ses enfants pendant un événement qui aimerait être là, mais il ne peut pas être là. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, qui sont fâchés, ce n'est pas de sa faute, pardonnez-le. C'est Dieu qui a voulu ça. Parce que s'il avait été là, vous seriez en train de pleurer actuellement. Vous allez demander, il est où le prophète, il est où le prophète, il est où le prophète. Il est, Dieu l'a mis en sécurité. Dieu l'a mis, il a écouté Dieu. Des événements vont se passer. Dieu le fera sortir. Des événements vont se passer. Et de là où il est, Dieu lui donnera la possibilité de vous parler aussi. De là où il est, Dieu lui donnera la possibilité de vous donner des prophéties, des révélations. Parce que sa bouche n'est pas fermée. C'est Dieu en suit, ce n'est pas un homme. Donc, je dis à ses fidèles, même s'il n'est pas là, allez-y prier. Vous savez ce qu'ils ont décidé de faire? Vous voulez que je vous révèle? Dites, Bishop, continue de nous révéler. Ils ont décidé de fermer l'église du prophète Elie par là. Oh my shakabaya. David aimé, ils ont décidé de fermer son église. Elipada, les gens sont en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut trouver comme argument, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ceci. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que c'est trop flagrant. Tout le monde va savoir qu'il y a quelque chose. C'est trop flagrant. Donc, ils guettent. Les gens se demandent plein de choses. Mais ce qui me touche et m'étonne, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs, de soi-disant révérends, bishops, archibishops, des personnalités spirituelles, soi-disant hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, qui sont derrière toutes ces choses. Ça me fait mal. Mais la preuve, regardez-les. Est-ce que vous voyez quelqu'un parler en temps de circonstances, en ce genre de circonstances? Est-ce que vous voyez quelqu'un se lever pour dire non, ne mettez pas un pasteur en prison, non, ceci. Au contraire, vous voyez des gens qui sortent, qui font des vidéos. Oh papa, je vous demande pardon, arrêtez tous les prophètes, fermez la bouche à tous les prophètes, et ceci, cela, les gens se dévoilent, ils font des choses. Mais est-ce que vous voyez un seul qui défend la cause d'un collègue pasteur? Non. Parce que ces personnes veulent régner. De la manière qu'un gouvernement peut faire 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, 6 mandats, eux, en ce moment, ils mangent. En ce moment, ils sont bien. En ce moment, ils ont leur position là-bas. Donc, ils veulent continuer à manger. Quelqu'un ne doit pas venir déranger leur manière de manger. Ce n'est pas affaire de Jésus. On est sur la terre, on n'est pas encore au ciel. Pour eux, là, Jésus même l'endroit n'existe pas. Dieu. J'ai déjà entendu un pasteur qui dit, affaire de Dieu, Dieu là, Dieu n'existe pas, mon frère. Si tu peux avoir un fétiche, un gris-gris là pour t'élever, il faut faire. J'ai déjà entendu ça dans la bouche de certains. Et certains ne croient plus en Dieu. Ils ne croient plus que Dieu existe, que Jésus là. Ça veut dire que c'est devenu un truc de commerce, un business. Jésus n'existe pas pour eux. Ils ne croient même pas en lui. Ils prennent juste son nom pour pouvoir continuer leur business. Parce qu'il y a des gens qui croient en Jésus. Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Ils ont vendu leur âme. Le Seigneur même m'a dit de ne plus défendre certaines personnes. Parce que par émotion, je suis venu défendre certaines personnes. Je me suis dit, mais pourquoi tout le monde s'acharne sur lui? Parce qu'on a fait ça, parce qu'on a vu ci, parce qu'on l'a consacré là, parce que le Seigneur dit, ces genres de choses-là, si je t'ouvre les yeux que tu vois, tu vois, laisse. Laisse, ne défends pas ces personnes que tu ne connais pas. Parce que les gens ne parlent pas souvent pour rien. Laisse, les gens ne parlent pas souvent pour rien.
ne défends pas ce genre de personnes. Ils ne parlent pas pour rien. Les gens ne parlent pas pour rien. Donc, ce qui fait que cette année 2024, je vais beaucoup me consacrer pour l'œuvre de Dieu, fermer ma bouche, regarder, prier beaucoup et révéler que quand Dieu me dit de révéler. Donc, avant que je proclame sur votre vie, je voulais vous répéter. Evelyne Sanoum, prends rendez-vous avec ma secrétaire, s'il te plaît, sur WhatsApp. Je voulais vous répéter que l'arrestation du pasteur David Aimé, ce n'est pas la police qui s'est levée comme ça. Et ils savent. Il y a des bishops, des ouins, des révérends, ils sont derrière. Il y a eu un groupe de serviteurs de Dieu et de servantes de Dieu. C'est eux qui ont demandé à ce qu'on arrête ce monsieur. Ils sont cachés derrière. Mais ils ont dit de sorte que leur nom ne sorte jamais. Parce que si leur nom sort, leurs fidèles vont dire, ah, comment toi tu es un bishop, tu as la rancune comme ça. Comment toi tu es un pasteur, tu peux vendre un autre pasteur. Donc ils font comme, ils sont tous en train de dire, c'est pas moi, je n'ai jamais rien fait, c'est pas moi qui ai ceci, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je ne dis pas le nom de quelqu'un ici, hein. Mais c'est faux. Ceux qu'il a parlé d'eux avant, ceux qui viennent de parler d'eux, eux tous là se sont rassemblés comme s'ils avaient fait une sorte de plainte. Ils ont vu certaines autorités, ils ont donné de l'argent même. Ils ont pris l'argent, ils ont donné pour fermer leur bouche, pour dire, mettez-le là-bas, il va nous laisser tranquille. Donc, votre frère, votre pasteur là, Aimé David là, c'est ses soi-disant collègues, pasteurs, prophètes qui l'ont pris à travers, se sont masqués derrière pour qu'on le prenne pour le jeter là-bas. Priez pour lui que il revienne sain et sauf et que cet événement le rende sage, que Dieu lui donne beaucoup de grâce et tout ça. Concernant Elipada, je remercie Dieu. Vous savez, ceux qui me suivent savent que c'est pas parce qu'il s'appelle Elipada que je suis en train de parler. Mais ceux qui me suivent savent que j'ai défendu beaucoup de causes des gens que je connais pas. La première fois que je suis venu, j'ai commencé à parler, défendre des causes. C'était sur la mort d'un enfant qui est décédé dans une piscine. Sa mère était très pauvre. C'était pas un prophète. Je suis venu défendre sa cause. Deuxième combat que j'ai mené, c'était les microbes qui tuaient les gens à Abidjan. J'ai élevé ma voix. Bon, les microbes, les gens qu'on tue, ils vont me faire quoi? Ils vont me dire, non, c'était pas pour truc. Troisième, quand ils ont jeté les gens au cimetière, ils ont cassé leur maison, je suis venu crier. Ça a continué avec la lutte du président Gbagbo en demandant qu'il sorte, en priant qu'il sorte, Madame Simone Gbagbo, Blaise Goudé, tout ça. Et puis, ça a continué comme ça. Je commençais à défendre certaines causes, mais à chaque fois, c'est pour les gens que je parle, hein. À chaque fois, quand il y a un soi-disant pasteur, sa femme est morte, il a tabassé la femme jusqu'à... Il est entré dans la franc-maçonnerie, il a fait son initiation, lui a dit de sacrifier quelqu'un, il a tout fait jusqu'à la femme là est morte. Je suis venu, j'ai parlé. Comme si la femme voulait que je la défende. Vous voyez? Donc, c'est pas la première fois. C'est pas parce qu'il s'appelle Eli Padan. C'est parce que souvent, Dieu me donne le fardeau de certaines personnes. C'est comme si les personnes me sont là-bas et puis ils prient pour que Dieu me parle ou que Dieu m'utilise pour parler. Et puis ça m'arrive, ça tombe sur moi. Donc, ne vous inquiétez pas pour le prophète Eli Pada. La main de Dieu est sur lui. Ceux qui ne l'ont pas vu au programme, qui disent, oh, il est où? Est-ce que les gens n'ont pas? Non, il est en sécurité entre les mains de Dieu avec sa famille. Il a suivi le chemin que Dieu lui a dit de prendre. Il est dans l'endroit où Dieu veut qu'il soit. Il n'a pas pu être là parce que le Seigneur n'a pas voulu qu'il vienne. Jusqu'à la dernière minute, il a voulu venir. Dieu ne l'a pas permis parce que les plans étaient énormes. Et les gens voulaient pour une fois fermer sa bouche, qu'on n'entende plus parler de lui en 2024, jusqu'à leur élection et tout ça. Et il a écouté Dieu. C'est pourquoi il n'a pas été là. Continuons à prier les uns pour les autres. Et
Mon frère Eli Pada, de là où tu es, je ne sais pas si tu recevras cette vidéo, si tu la verras. Que Dieu te soutienne. Petit frère, que la main de Dieu soit sur toi. Continue ton combat, continue ce que Dieu t'a confié à faire. Et il n'y a personne qui va te reprocher quelque chose en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais insulté quelqu'un. Tu n'as jamais agressé quelqu'un. On ne t'a jamais vu insulter quelqu'un. On ne t'a jamais vu agresser quelqu'un. Toutes les révélations que tu donnais, c'est Dieu qui t'a dit, le Seigneur t'a montré ceci, le Seigneur t'a montré cela. Donc, tu es dans la volonté de Dieu. Je pense que le Dieu que tu sers continuera à te protéger. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Souvent, nous devons reculer pour sauter. Le prophète Élie était obligé de fuir devant Jézabel et le roi Achab. Pas parce que Dieu ne pouvait pas le défendre. Pas parce qu'Achab ne pouvait pas mourir en même temps. Mais il y avait un temps. Il fallait qu'il fuit d'abord. Il fallait qu'il soit nourri par les corbeaux. Il fallait que la veuve le nourrisse. C'était encore pour aller acquérir une autre expérience. Et c'était pour que Dieu multiplie encore la grâce dans sa vie. Mais toutes les paroles que le prophète Élie avait dit sur Achab et Jézabel se sont accomplies. Ils sont morts de la manière dont il avait dit. Et il est revenu. Ce même prophète est revenu. Et c'est par lui, les prophètes de Baal sont morts. Il a fait descendre le feu du ciel pour consumer l'Holocauste par sa prière. Ça veut dire quoi? Souvent, Dieu même te dit, tais-toi, cache-toi, va dans tel endroit, quitte ce lieu, quitte ce pays, ne parle plus. Moi, en 2023, le Seigneur m'avait interdit de faire des programmes. En 2023, le Seigneur m'a interdit d'aller dans des églises pour prêcher. En 2023, le Seigneur me disait, non, reste comme ça. C'est comme si j'ai eu une année de chômage. Il ne voulait pas que je prêche. Ce n'est pas 2023, les années qui ont précédé 2023. Mais ça me brûlait. Je veux prendre un micro, je veux faire ça. Le Seigneur me dit, reste tranquille. Mais en 2024, où je parle, le Seigneur m'a ouvert ses portes. Il m'a dit, là, tu vas prêcher. Là, tu vas aller d'église en église. Là, tu vas faire des programmes. Là, il dit, tout ennemi qui était dangereux pour toi, au moment où je te disais de ne pas prêcher, j'ai déjà mis la main sur eux. Et ceux qui vont essayer encore, je vais les achever. Tu es libre maintenant d'aller prêcher. Donc, Dieu m'ouvre les portes, mais il me donne des périodes et des dates. Ce n'est pas parce que Dieu m'a dit ça, il me lève tout de suite. Non, il me donne des périodes, des dates et des lieux. Et je suis obligé de l'écouter. Sinon, 2023, il pourrait faire croisade. Je pourrais remplir des salles. Je pourrais faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. On dit, le prophète est là, ils vont venir. Mais à chaque fois, il me suis levé. Le Seigneur me dit, non, ce n'est pas le moment. Non, ce n'est pas le moment. Même quand il me dit 2024, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer demain, après-demain. Il m'a donné des dates. Il m'a donné des périodes. Il m'a donné des lieux. Et c'est comme ça avec Dieu. Donc, le prophète, c'est comme une vague. Et le prophétique, c'est comme une vague. On peut te connaître dans telle étape, Dieu t'amène dans telle étape. Dans tel lieu, Dieu t'amène dans tel lieu après. Donc, sois tranquille. Tous tes enfants prient pour toi. Tous ceux qui t'aiment prient pour toi. Et à chaque fois que Dieu me permettra de prier pour toi, je prierai. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je veux proclamer sur la vie de tous ceux qui m'écoutent pour 2024. Alors, viens prendre ta part. Prépare-toi et dis Amen. Nous sommes rentrés en 2024. Nous sommes rentrés en 2024. Beaucoup de personnes n'ont pas pu rentrer. Nous sommes rentrés en 2024. Que 2024 soit l'année de l'accomplissement dans ta vie. Que en 2024, toutes les prophéties qui étaient sorties sur ta vie se réalisent une à une. Qu'elles se multiplient dans l'accomplissement dans ta vie. Dis-moi Amen. En 2024, si tu avais même fait un rêve depuis des années et que ce rêve
n'était pas encore accompli que ses rêves se réalisent en 2024. Oh, je sens l'onction sur moi. Ma main gauche est remplie de feu. Je suis rempli de l'onction. 2024, avant que tu te mettes à genoux pour dire « Seigneur, que Dieu te donne déjà ce que tu viens lui réclamer. » Oh, que tes ennemis tremblent. Que tes ennemis tremblent. Dès qu'ils entendent ton nom, dès qu'ils voient ta présence, qu'ils tremblent. Il y a des gens qui peuvent se lever pour dire qu'ils vont te tuer, physiquement ou en sorcellerie. Mais quand ils sont en face de toi, qu'ils oublient pourquoi ils sont venus, qui tremble, qui se pose la question, mais c'est qui on devrait tuer? Soit invisible aux yeux des sorciers, soit invisible aux yeux des mystiques, soit invisible aux yeux de tous ceux qui tuent l'étoile, qui tuent. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, oh Emmanuel, Dieu est avec nous. Oh Rabaché, sois le rocher de ta famille. Sois le rocher. Je dis le rocher, que plus rien ne puisse te bouleverser, t'atteindre. Oh Alléluia. Que les chaînes qui t'avaient lié de la tête jusqu'aux pieds, que les chaînes qu'on avait pris pour t'attacher, attacher tes finances, attacher ta réputation, attacher ta vie, que ces chaînes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Jésus a vu un possédé, le possédé de Gadara. Quand Jésus a vu ce possédé, par la proclamation, la déclaration de Jésus-Christ, les chaînes du possédé se sont brisées. Oh! Les chaînes du possédé se sont brisées. Que cette année, toutes les chaînes qui t'avaient lié, ralenti, assoupi, jusqu'aujourd'hui soient brisées. Bien-aimé, dans ce monde, on ne peut rien faire sans argent. Quelle que soit ton onction, quelle que soit ta puissance, quelle que soit ta force, quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ton intelligence, il te faut de l'argent. J'appelle l'onction de l'argent sur toi, dis-moi amen une fois. J'appelle l'onction de l'argent sur toi, dis-moi amen deux fois. J'appelle l'onction de l'argent sur toi, dis-moi amen trois fois. J'appelle l'onction de l'argent sur toi, dis amen quatre fois. J'appelle l'onction de l'argent sur toi, dis amen cinq fois. J'appelle l'onction de l'argent, dis-moi amen six fois. J'appelle l'onction de l'argent sur toi, dis-moi amen sept fois. Tu dois remporter tous les concours que tu vas passer. Tu dois avoir le visa quand tu vas le demander. Tu dois avoir la promotion quand tu déposes le dossier. Tu dois avoir le travail que tu veux faire. Tu dois pouvoir entreprendre ce que tu veux entreprendre. Le business qui te plaît. Ce que tu veux réaliser, tu dois maintenant le réaliser. Alléluia. Je sais que Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un, oh, et c'est toi, et dis amen. Je sais que Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un, oh, c'est toi, oh, et dis amen. Ta vie doit changer, totalement changer. La peau que tu avais, l'odeur que tu avais. Il y
y a déjà trop de blessures, trop de saletés, c'est troué. Que les anges de l'Éternel déchirent cette peau, l'arrachent, cette peau remplie de blessures, cette peau remplie de lacunes, de problèmes, et qu'on la déchire, qu'on la jette, et qu'on te renouvelle d'une nouvelle peau. Qu'on te renouvelle d'une nouvelle grâce. Je commande à ton étoile de surgir et de prendre de l'ampleur maintenant. Oh, malabro que je suis. Ils ont cru que je n'allais pas songer. Ils ont cru que ma vie était foutue. Hey, mais Jésus, Yamasakala, ce que je vois est bon pour toi. Il n'est pas routiqué sans âge. Ce que tu touches, que ça se multiplie en grâce et en bénédiction. La main percée. Je refuse que ta main soit percée. Que l'argent ne se perde plus jamais avec toi. Lorsque tu touches, que ça se multiplie. Les gens qui t'ont oublié, qu'ils commencent à se rappeler de toi, là où ils sont, que leur cœur fait boum, et qu'ils se disent, oh, j'ai oublié telle personne, oh, je me rappelle de telle personne, oh, j'envoie ceci à telle personne, au nom de Jésus. Que les bénédictions qui étaient proclamées sur ta vie, qui étaient en instant, en suspens, reprennent de l'ampleur. Il y a des gens qui t'aimaient. Il y a des gens qui étaient attachés à toi. Mais le diable a tout fait pour les mettre à l'écart. Toi, tu te dis, mais pourquoi je n'entends plus parler? Pourquoi elle m'a oublié? Pourquoi elle m'appelle pas? C'était Satan. Que le Seigneur maintenant enlève le voile. Que le Seigneur réveille ces personnes. Et que ces personnes reviennent à toi avec un cœur pur. Je prophétise sur toi. Je déclare que l'onction prophétique t'accompagne en cette année 2024. Si tu es un serviteur de Dieu, fais des exploits. Si tu es une servante de Dieu, fais des exploits. Que les vraies églises et les vrais serviteurs de Dieu soient remplis d'un feu, un 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 feu. Une onction. L'onction des miracles, l'onction des prodiges. Que le Seigneur, en cette année, te connaisse. Qu'il te connaisse avec de vraies personnes. Des personnes qui peuvent changer quelque chose dans ton histoire. Des personnes à qui tu peux apporter des choses. Ne sois jamais au mauvais endroit. Ne sois jamais au mauvais lieu. Ne sois jamais en retard. Et ne sois jamais en avance. Je demande au Saint-Esprit de laver ta mémoire et de retirer tout ce qui était mauvais dans cette mémoire. Je demande au Saint-Esprit de renouveler ta mémoire, d'enlever l'échec, d'enlever le blocage, d'enlever toute amertume et de te donner que le positif. La force que tu n'avais pas pour avancer, que le Seigneur te donne cette force en 2024. Le courage que tu n'avais pas, qu'il te donne ça. La grâce qui te manquait, la chance qui te manquait, le bonheur qui te manquait, qui te le donne. Que tes ennemis soient foudroyés. 2024, que ta vie de prière ait plus de l'ampleur. 2024, que ta vie de prière ait plus de l'ampleur. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite. Que les anges te parlent. Que les anges te touchent. Que Dieu te montre dans ton sommeil, dans tout ce que tu fais. S'il y avait quelque chose dans ta vie qui t'empêchait d'avancer,
que le Seigneur retire cela en 2024 et qu'il le jette très loin. Je prophétise la multiplication des grâces sur ta vie, la multiplication de prospérité, la multiplication d'élévation. Je refuse que tu fasses des efforts en vain cette année. Je refuse que tu tournes en rond. Je refuse que tout ce que tu vas toucher devienne problème cette année. Que tout te soit facile. Lorsqu'on dira 2025, que tu te dises, ah, 2025 est déjà arrivé. Mais en même temps que tu dis ça, que tu vois les maisons que tu as construites, les voitures que tu as achetées, les projets que tu as réalisés, tes rêves qui se sont accomplis. 2024, si on t'avait empêché de te marier, il faut que tu sois dans ton couple. Je te vois assis dans ton canapé, dans ton fauteuil, avec ton mari ou ta femme, main dans la main. 2024, si tu luttais pour avoir un enfant, tu n'avais pas. Je vois l'enfant en train de pleurer chez toi. Je vois l'enfant en train de rigoler. Tu joues avec cet enfant. C'est ton enfant, tu prends soin de lui. Il est chez toi, il rentre chez toi maintenant. J'interdis la stérilité dans la vie de tous ceux qui croient à mon onction en 2024. J'interdis à la mort de toucher notre vie, de toucher ma vie, de toucher la vie de qui que ce soit qui est proche de moi. Que la protection divine soit sur vous à cette année 2024. Que la mort ne s'approche pas de vous. 2024. Que 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche. Qu'il y ait des problèmes dans le monde où on veut. Même qu'il y ait la guerre dans ton pays. Mais que rien ne te touche. Au contraire, que Dieu te protège. Au contraire, que Dieu t'élève. Au contraire, que l'abondance soit dans ta vie. Sois invisible aux yeux de tes ennemis. Sois invisible aux yeux de ceux qui veulent te faire du mal. Sois élevé. Que le Seigneur bénisse cette année pour vous. J'ai reçu des jours que Dieu m'a donné pour mes directs. Je vais faire mon petit programme. Je vais vous le balancer. Et nous allons suivre ce programme en 2024. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi en 2023, qui ont partagé mes directs, qui ont mis des cœurs, qui ont mis des étoiles, qui ont été toujours là pour soutenir ma page. Cette page, elle a été en restreint. Jusqu'actuellement, elle est encore en restreint. Mais grâce à vous, je continue de parler. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous ceux qui m'ont fait une offrande, qui m'ont soutenu, qui ont cru à mon ministère. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas l'action prophétique de la colombe que j'ai lancée. Certaines personnes ont déjà commencé. L'action prophétique de la colombe. Certains ont déjà commencé. L'action prophétique de la colombe. La vidéo est sur ma page. Certains ont déjà commencé. N'oubliez pas. Cette action, c'est pour vous ouvrir les portes. Cette action, c'est pour vous ouvrir les portes. Baboukari Balo, oh, sois béni, mon frère. Très bonne année à toi. Sois béni. Que la grâce soit sur toi et ta famille. Cette année, sois différent. Cette année, que la bénédiction t'accompagne. Que la réussite soit avec toi. Je demande à Dieu de t'aider, toi qui m'entends, à prendre la décision qu'il faut. Certaines personnes sont encore dans le doute. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je ne dois pas faire ça? Est-ce que je dois faire le voyage? Est-ce que je ne dois pas le faire? Est-ce que tel boulot est pour moi? Est-ce que je dois me mettre à mon compte? Est-ce que mon business? Est-ce que les est-ce que s'arrête? Que cette année, le Seigneur te donne la bonne décision. Et que ce que tu vas faire, réussissent. Je prie maintenant pour la santé. Tous ceux qui ont l'hypertension, l'hypotension, n'importe quelle maladie cardiaque, maladie de peau, de cœur, de sang, je ne sais pas, quel que soit le nom de la maladie, s'il y a un problème de santé, même si tu as seulement du rhumatisme, même si tu as quelques douleurs dans les os de foie, la hanche et tout ça,
où tu ne vois pas la cécité et des trucs comme ça, je prie que le Seigneur déverse une onction de guérison sur votre vie. À chaque fois que vous dites amen à cette vidéo, que cette onction s'amplifie, que le Seigneur guérisse toute personne malade au nom de Jésus. Que la santé te soit donnée cette année. Je veux aussi proclamer sur la vie des gens qui ont leur argent bloqué. Il y a des gens qui ont l'argent bloqué dans une banque. Il faut qu'on signe. Il y a des gens qui ont l'argent gelé quelque part. Il y a des gens qui ont leur droit. Il y a des gens, même c'est un gouvernement qui les doit. Au lieu de donner leur argent, ils ne donnent pas. Il y a des gens, quelqu'un a pris une dette, la personne ne paye pas. Il y a même d'autres, même, il y a un problème de terrain. Ils sont à la justice pour ça. Problème d'héritage. Si ton argent est bloqué quelque part, si tu as ton intérêt qui est bafoué quelque part, si quelqu'un a volé ton argent, si quelqu'un lutte contre ton argent, si tu as un terrain que quelqu'un est venu prendre pour vendre, tu veux gain de cause, si quelque chose t'appartient et que tu es en train de lutter pour ça, je prie que tout ce qui est bloqué soit débloqué pour toi. Ceux qui ont des problèmes d'héritage, des terrains, des conflits, que cela se règle cette année, que tu aies ta part d'héritage. Je prie que cette année soit une année d'accomplissement et de miracles pour vous tous, dans le nom de Jésus. N'oubliez pas, priez chaque jour pour moi. N'oubliez pas, je compte sur vous et j'attends vos offrandes. Sincèrement, je le dis haut et fort, c'est vous qui pouvez me faire pour que moi aussi, je fasse la volonté de Dieu pour vous. Même si tu n'as rien, les petites semences que tu peux envoyer pour que nous fassions des croisades cette année, des veillées, des programmes, j'attends vos semences. Ne reste pas les doigts, les bras croisés, ne reste pas la main fermée. Cette année-là, soutiens l'œuvre de Dieu. Je ne vais plus m'asseoir à la fête des directs. S'il te plaît, tu m'as assez critiqué pour dire, oh, va faire l'œuvre de Dieu, va chercher les âmes, va faire ceci. Je t'attends cette année. Envoie ce que tu peux envoyer pour que nous fassions l'œuvre de Dieu, parce que je suis prêt. On attend vos semences, on attend vos offrandes. Le numéro de ma secrétaire, c'est le 0033 plus 33 6 24 08 56 89. C'est-à-dire le 06 24 08 56 86 89. Je répète, plus 33, 0033 6 24 08 56 89. Voilà. Ceux qui ont mon numéro WhatsApp, vous pouvez aller sur ma page Facebook, la photo de la page. Il y a les numéros qui sont dessus. Prenez le numéro, appelez, faites une semence, soutenez l'œuvre de Dieu cette année-là. Vous avez dépensé dans beaucoup de choses inutiles. Cette année, je compte sur vous. Je compte sur vous pour l'Europe, je compte sur vous pour l'Afrique, je compte sur vous pour les États-Unis. Tu es serviteur de Dieu, tu as une église. Tu es en Belgique, tu es en Allemagne, tu es en Italie, tu as une église. Tu veux qu'il y ait un programme pour manifester la puissance de Dieu. Mes portes sont ouvertes. Je serai là pour t'aider. Tu veux qu'on fasse des croisades. T'inquiète pas, je ne vais pas chercher des âmes, prendre tes âmes. Moi, les âmes appartiennent à Jésus, ça m'appartient à personne, ça ne m'appartient pas. On va faire des programmes. Tu es dans les îles, tu es en Afrique, quel que soit où tu es. Tu veux qu'il y ait un programme de réveil dans ton église. Tu veux qu'il y ait un programme de délivrance où tu peux faire des croisades en plein air. Je serai là. Cette année, nous ferons l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là. Partagez massivement ce direct. Et prions pour nous les uns les autres. Soutenons-nous. Prions aussi beaucoup pour notre chère Côte d'Ivoire. Je ne vais pas démarrer l'année en donnant des prophéties sur la Côte d'Ivoire. On a assez donné en 2023. Donc maintenant, c'est la prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom.